Que vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que vengan los chicos de los planetas, prendidas de la cola de algún cometa. Ils arrivent les garçons de tout l'univers, il y a ceux de la lune et ceux de Mars, ils arrivent les garçons de toutes les planètes, accrochés à la queue de quelques comètes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour parler de ce drôle de petit instrument. Il s'agit d'une flûte. Une flûte, instrument à vent, soufflée avec le nez. Une flûte nasale qui nous vient tout droit d'Amazonie en Amérique du Sud. Cette flûte nasale amazonienne, également retrouvée dans d'autres parties du monde telles que l'Océanie, permet aux chasseurs d'attirer les oiseaux. Lorsqu'ils sont dans la forêt, en pleine chasse. Cette flûte fonctionne tout simplement grâce à un trou à l'intérieur qui va faire vibrer l'air de telle façon qu'un son va apparaître. L'air passe à l'intérieur, soufflé par le nez, pour venir résonner dans la bouche. Si j'ouvre la bouche ou je ferme la bouche, le son va changer. Mais c'est bien l'air soufflé par le nez qui produit le son et la vibration. Dans un village du sud de l'Amazonie, dans un village du nord de l'Argentine, un homme avait acheté un oiseau magnifique. C'était un oiseau avec une bec de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était un oiseau gigantesque. C'était un oiseau qu'on lui avait vendu dans une grande cage. L'homme a ramené l'oiseau chez lui et a mis la cage dans son salon, ravi d'avoir une si belle compagnie. Le marchand lui avait dit « Vous verrez, cet oiseau-là est celui qui a le plus beau chant du monde. » L'homme s'est donc mis devant la cage dès le soir pour écouter l'oiseau. Oui, mais voilà. L'oiseau ne chantait pas. L'oiseau ne parlait pas. L'oiseau ne faisait aucun bruit. L'homme s'est inquiété. Il lui a donné de quoi manger, de quoi boire. Mais l'oiseau ne chantait toujours pas. Il tournait dans sa cage. L'homme est allé se coucher, bien déçu, mais dès le lendemain matin, il est retourné au marché. Il a tout expliqué au marchand, qui a souri. Il lui a dit, mais cet oiseau-là a un chant très précieux. À toi de découvrir comment il peut le chanter. Comment tu mériteras d'écouter sa chanson la plus belle du monde. L'acheteur est retourné chez lui. Il tournait autour de cette cage et réfléchissait. Mon oiseau a de quoi boire, de quoi manger. Peut-être qu'il veut du divertissement. L'homme est allé chercher sa flûte. Il a soufflé, il a joué tant qu'il pouvait, mais l'oiseau ne l'accompagnait pas. Alors il a chanté « Que vengan los niños !» Mais l'oiseau ne chantait pas. Il a dansé, mais l'oiseau ne chantait pas. Le soir, déçu, ne sachant comment s'y prendre, il est retourné se coucher. Il s'est dit « La nuit porte conseil, je verrai demain matin. » Le lendemain matin, la cage commençait à sentir un petit peu. Alors, l'homme a ouvert la cage pour nettoyer. Et d'un seul coup, l'oiseau s'est envolé devant son nez. L'oiseau s'est envolé et a commencé à tourner dans le salon de l'homme. Et en tournant, il chantait. Et c'est alors que l'homme a compris. Il a compris que cet oiseau n'avait rien à faire dans la cage. Alors, il a ouvert en grand ses fenêtres.
L'oiseau est allé dans le jardin se poser sur la plus haute branche du plus grand des arbres et il a chanté. Il a chanté une chanson si belle que l'homme en est resté stupéfait. Il s'est assis au pied de l'arbre. Pendant tout un moment, il a regardé et il a écouté son oiseau chanter le plus beau chant qui existe, le chant de la liberté. Que vengan los niños de todas partes, desten de la luna y los de Marte, que vengan los niños de las planetas, prendidas de la cola de algún cometa.